aujourd'hui on est au Ice Club Studio. Je sais pas si vous avez vu, j'ai refait mon blond parce que vous me la... Non, enlève. Ok. Non, j'ai pas dit ça. T'as dit Ice Club, je crois. J'ai dit Mango Ice Club. Salut tout le monde, c'est Soufoud, votre chroniqueuse de cheveux coupés. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, j'ai bien refait mon blond, mes boucles sont bien revenues. On est au Mango Ice Studio aujourd'hui pour un petit interview avec Mickaël Larade. Donc là, je vous fais un peu visiter le studio avant de le retrouver. Ici, il y a mon fond tout noir. Faut pas me demander à quoi ça sert. Je ne suis pas dans la musique. Kevin, ça sert à quoi ici ? Pour tourner des clips, des vidéos. Et je peux me prendre un peu pour Shakira là, avec mon blond et tout, non ? Donc on est dans un grand, grand studio. Et du coup, là, je crois qu'il y a Mika qui nous attend avec Yasmina. Donc Yasmina qui est préparatrice mentale pour sportifs, qui va nous accompagner pour parler un peu de la carrière de Mickaël, des hauts, des bas qu'il a vécu depuis... le premier interview qu'on avait fait ensemble en 2018. Donc ben là, il nous attend. Faites quoi ? Ça va ou toi, Mika ? Ça va et toi ? Ça va ? Ouais, il est fou. Yes, ça va ? D'essayer de comprendre pourquoi on doit s'échauffer avant de jouer en fait. On joue à quoi ? On joue à quoi ? À FIFA. Ah, ça va ? Ça va et toi ? Mais là, ça a pris Bordeaux. Non, c'est lui. Ça fait 4 ans que j'ai fait. Ça fait longtemps qu'elle a pas joué à FIFA. Bon bah moi c'est Yasmina, préparatrice mentale, et je suis là pour l'interview avec Sou. Moi c'est Mickaël Larade, 24 ans, ex-égérie d'Adidas Monde, et voilà. C'est bon ? Ouais. Bah Mika, comment on s'est rencontrés ? Je crois que c'était... C'était hier, moi. C'était au tout début quand je commençais les interviews, je crois que j'avais écrit à Brice une annonce sur Insta, c'est ça ? C'est ça. Et ensuite il nous avait mis en contact, on avait fait une interview, je crois que tu jouais encore au Red Star à l'époque. C'est ça. Ouais, Yass, t'as vu, j'essaye de le déconcentrer pour que tu gagnes, donc concentre-toi. Est-ce qu'on a un solo ? Moi j'ai dit, y'a aucune pitié, regarde la minute, regarde. Aucune pitié. Regarde, elle fait que d'appuyer, wesh, regarde. Elle appuie direct, elle appuie. Oh. Ah bah, quand on s'est connus, t'étais encore égérie Adidas. C'est ça. Il y a énormément de choses qui se sont passées. On va monter, on va en discuter, c'est oui, bon ? Oui, y'a pas de soucis. Brice, Brice c'est qui ? C'est un des meilleurs amis à Mika, avec qui il était géré Adidas. Actuellement, je Exactement. Crois qu'il joue encore au foot. Oui, c'est ça. Il joue et encore. Vous avez eu à peu près les mêmes, enfin, des galères à la même période, pas forcément de la même importance. Et voilà. Hein. C'est les deux joueurs qui m'ont fait confiance au tout début et on avait fait une interview. Je crois que j'avais mis un petit pont, Mika, non ? Ouais. C'est vrai, va bien Chipon, c'est vrai. Ah, ça date, hein, c'est mon premier interview. Mais voilà, mais là on va faire un deuxième. On va voir ce que ça donne quelques années après au niveau des projets et tout, on va parler de ça, Yass va nous accompagner un peu. Voilà, let's go. La tête de ma mère, des gros bâtards qui font des traducteurs. Le bénéfice du doute, il n'y a aucune photo. Quand c'est pour venir dans la chambre d'hôtel à minuit pétante. Méchant. La play. On n'en a plus besoin, Yasmina elle a perdu, ça y est. Yasmina, tu commences. J'ai pas gré ce matin. Ton burger king. Ah, il est où ton burger? Il a mangé. Qu'est-ce qu'il a gré? J'ai posé la gré. C'est bien fait, maintenant c'est toi crème la dalle. Elle a dit c'est toi crème la dalle, ça va pas la fête.